C'est un peu comme si Zidane allait taper le ballon avec les minimes d'un tournoi de football. Melchior Mori, ancien vainqueur de la Vuelta et Grand Espagne, est venu rouler avec les enfants de l'Ardéchoise des Jeunes. Trois kilomètres encore. Trois. C'est très bon ici. Pour moi, maintenant, la philosophie du vélo, c'est pour plaisir. Pour faire des vélos pour salut et pour aller avec cyclotouristes, avec quelques autres coureurs, avec les coureurs très jeunes. À l'Ardéchoise des Jeunes, il y a ceux qui viennent avec leurs professeurs des écoles ou de PS et ne sont pas forcément des cyclistes convaincus. Et puis ceux qui viennent avec leur club fédéral et rêvent de remporter le Tour de France ou pourquoi pas le Tour d'Espagne. C'est le cas de ces jeunes qui courent pour l'UC Montméran et Melchior les attire comme un aimant quand il leur explique son GPS espagnol dernier cri. L'altitude, il va marquer les perfils de l'étape. Tous les jours que tu vas faire, il va marquer... Comme celle des grands, l'Ardéchoise des Jeunes n'offre que des routes qui montent ou qui descendent. À cet lieu où il y a à boire, à manger, à jouer, mais aussi encore un col à escalader, des collégiens venus d'Espagne dans le cadre d'un jumelage avec le collège Saint-Louis de Tournon font grise mine. Ils sont fatigués. Melchior vient leur remonter le moral. Il leur explique l'importance du mental à vélo et des petits trucs pour le renforcer. La leçon est reçue 5 sur 5. Tout le monde repart et arrivera à Saint-Félicien avec le sourire.